C'est par où qu'il faut aller? Oh! Aventurière. Eh ben dis donc, elles ont changé les gonzesses. Si ça c'est une aventurière. Waouh! La barbe qu'elle a. Légende perdue, ok. Bon, légende perdue, je pense que j'ai déjà lu. Mais par contre, bah, comme j'ai ramassé Chimmar Vidium, bon, j'avais dû le lire. Formule d'emprisonnement. Ça, j'ai pas lu. Restissez à jamais, Mercrule, traître et meurtrier, condamné pour tes crimes contre le royaume et son seigneur. Que ton nom, tes sinistres exploits ne soient plus que notre protection magique, celle le sort en toi. Bon, ça c'est fait. J'avais lu quoi là? C'est quoi cette note? D'accord, ça c'était la note des sombrages. Il était venu parce qu'il y avait des disparitions dans un coin. Et là j'ai lu Légende perdue. Ah ouais, Légende perdue, d'accord, ça explique la légende de Gueldur. Bon. C'est bien beau, mais c'est où le passage? Ah, par là en bas. D'accord. Ok. On va essayer de ne pas tomber bêtement. Hein. Alors, par où je peux aller sans m'apprécier la nuque? Ah, mais il y a de l'eau en bas. Ouais, c'est de l'eau. Quoi? Clac clac. C'était quoi ce piège? D'accord, il y a du monde là derrière. Alors là, j'avais vu une bourse. Hop là, je prends. Burne, je prends, ça fait 8 pièces d'or de plus. Et par là, il n'y a rien. Ah si. Ah, il y a un coffre au fond. Tout à fait au fond, il y a un coffre. Avec un peu d'or. Quelques petits objets. Rien d'intéressant. Ah, mais toi, c'est bon, t'as décidé d'y aller. Sans moi. Alors j'ai repris l'arc. Merde, il y avait un piège. Pas grave. C'est là. On va vite la faire. Hein. Hein. Ou que les deux meurent. Armure elfique. Soin suprême. Ça arrive à un moment. Tout ce que je ramasse, faudra encore que je le dépense, que je le jette. Bon, c'est par où qu'on va, sans déconner. Alors, poisson. Alors, dans ce couloir, j'ai quoi? Le poisson, le serpent, le faucon et le machin. J'étais sûr que celui-là. Attends. Mais bouge pas! Montre-toi. Merde, bébé. Hey, ce serait sympa que t'arrêtes de te foutre contre moi.
que je puisse combattre moi aussi. Oh, du coup, je me rappelle plus. Poisson, serpent, faucon, poisson. Poisson. C'est quoi cette flèche qui flotte là? Alors, poisson, serpent donc. Celle-là, on va mettre serpent. Celle-là, j'ai dit, je mets serpent. Poisson, serpent. Il est où l'autre? Il y a forcément un autre par là. Ah, j'entends. Il est pas loin. Ah ben non. Là-bas au fond, il y en a un qui dort. Je l'ai loupé. D'accord, ouais. Je voyais pas, toi. Alors là, il y a un piège encore. Alors, poisson, serpent, faucon. Donc, celui-là, il bouge pas. Toi, t'as les 6 pièces d'or. Je prends. La gemme, je la veux. Alors, pour prendre la gemme sans déclencher le piège, je prends la potion qui est à côté. Je la pose délicatement sur le socle. Eh oh! Ah, d'accord. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est posée. Bon, enfin bref. Ça a pas marché, mais le piège non plus, donc je disais poisson, serpent, faucon, poisson. Le prochain c'est poisson. Et normalement, là, je dois être bon. Il est passé où son corps? Ah, d'accord, la flèche a été. Ah bah non, je l'ai pas tué. Et là, j'active et ça marche pas. Bon. Donc on va faire l'inverse, hein. Poisson, faucon, serpent. Ah, ou alors c'est plutôt dans ce sens. Faucon, poisson, poisson, serpent. Oui, ça serait plus logique. Faucon. Faucon, poisson. Poisson, serpent. Parce que celui-là, j'ai pas bougé, donc c'est pas normal. Et serpent, et là normalement ça s'ouvre. Bon, toujours pas ça donc. Et eh ben gauche droite, gauche droite. Donc maintenant c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai bien fait, hein. Faucon, poisson, poisson et serpent. Donc faucon, serpent, poisson, poisson. Non. Ah. J'arrive ici. Je fais faucon, poisson, poisson, serpent. Faucon, poisson, poisson, serpent. C'est pas ça. On va essayer. Faucon, poisson, serpent, poisson. Donc juste les deux derniers je vais intervertir. Serpent. Pour le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je pense que c'était ça. Ouais voilà. C'était dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc j'ai dit. Le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est faucon, poisson, serpent, poisson. Voilà. Ça, si quelqu'un se demande comment on passe. Oh, excuse-moi. Ah ben, toi aussi.
Bon, tant pis pour augmenter ma compétence à l'arc, hein. Une autre fois, hein. J'augmenterai l'arc la prochaine fois. Alors, des dragons, ça je prends. Ces pièces d'or. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un arc de chasse, waouh! Ça on s'en fiche, on s'en fiche. Faudrait vraiment que mon arc fasse capture d'âme. Alors, il y en a un par là, normalement. Ah, mais c'est Garmin, ça. Comment ça se fait que son corps soit là? Si je prends le parchemin aussi. Ah, mais. Oh non! Mais il est où l'autre? Il est mignon, mais on le voit même pas l'autre. Il y en a un que j'entends respirer, mais je le vois pas. Ah, d'accord. T'es là-haut. Mais oui, mais je bouge moi à chaque fois. Non, fiche, je suis protégé par le pylône, idiot. Tiens. Il était un copain là-bas en haut aussi. Bon. Il utilise quoi comme flèche? Des flèches de verre, flèche orque. Flèche orque. Oh, moi je ramasse. Hein. Toujours mieux que mes flèches de parjure. Hein. Alors, il y a une clé. Donc je la prendrai. Hop, voilà. Et je vais lire l'épitaphe. Au seigneur Germund, archimage de Vendôme, seigneur des mages guerriers du roi Harald. Magus, que ta vigilance reste éternelle, continue à servir dans la mort comme tu l'as fait dans la vie. Par ces sceaux que notre royaume perdure, qu'il reste à l'abri des trois traîtres et de leur sort maléfique. Ouais, je le prends. Non mais t'es mort, c'est mort. Reviens à l'araignée. Voilà. Je vais augmenter ma compétence archerie alors. Hein. Comme vous ne faites pas de dégâts, hein, je prends mon temps. J'en profite. Je profite de votre faiblesse. Waouh! Puis ça vaut des thunes. Hôtel d'enchantement, je crois que j'ai rien à enchanter. Si, si j'avais un super arc elfe, je l'enchanterais. Au moins j'aurais capture d'âme. Mais je crois que j'ai pas d'arc. Hein. Non, j'ai comme un arc de rossignol. Au fait, il fait quoi comme enchantement l'arc de rossignol? Bon, en plus, de toute façon, il faut que je le recharge. Je vais le recharger de suite. Il fait 30 dégâts de glace et 15 de foudre. Ouais, bah, il est pas si puissant que ça en fait. Enfin, si, il est puissant, mais. Je prends tout. Hein.
Bon, on continue par là. Ouais, super. Et tu te retournes pile poil au bon moment, toi. Attends, attends, attends. Souffle de glace, souffle glacé. Petit con, on va. Pas possible ça. L'autre il se retourne pile poil au moment où je vais le frapper, quoi. Encore une armure elfe. C'est quoi ça? Un arc long? Mais non, mais c'est pas un arc long que je veux. C'est un super arc. Un arc d'ébonite ou. Ah, celui-là, là, pareil, il va avoir un arc d'ébonite. Eh ben oui, mais merde, il était là le bon levier. Chier. Ça, c'était du bon piège. Alors, il y a un arc de verre, ben voilà. Au moins, avec un arc de verre, des flèches de verre, des flèches, de l'or. Attends. Je vais aller enchanter mon arc. Qu'il fasse au moins. Et tant que j'ai un truc ici pour enchanter, hein. Je vais en profiter, donc objet, je veux enchanter l'arc de verre. Il fait 30 ans de dégâts, c'est déjà mieux que rien. Capture d'âme fougueuse, comme ça en plus ça fait des dégâts de feu. 3 secondes. 2 secondes. En même temps, il faut qu'il crève au moment où je frappe. Et pour qu'il soit sûr de crever, on va y rajouter un petit peu de glace, hein, dégâts de glace. Ça fait quoi? 25 points de dégâts de glace, allez hop, c'est bon. Et le tout avec une gemme spirituelle magistrale. Voilà. Non, je vais pas l'enchanter bêtement. Hein. Je vais le renommer. Arc de verre. Glace fougueuse. Non, arc. Voilà. Glace. Comme ça. Glassam, voilà. Il est très bien comme Glassam. Allez hop. Ça ira. C'est juste pour comme ça dans mon inventaire. Quand je prends mon arc. J'ai hop. Arc Glassam. En favori. Je m'en équipe. Et voilà. Comme ça, je vais m'améliorer à l'arc tout en récupérant. Donc, il faut que je récupère des ingrédients pour forger. Très bel arc de rossignol avec en plus capture d'âme. Putain, mais possible ça, pas pouvoir passer là. Voilà. Putain, celui-là c'est fait. Hé! Hey. Putain, mais il t'en faut des flèches, hein. Voilà. Ça, je récupère les armes. Oh putain, c'est chier, il est tombé. Bon, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, rien. Par contre, je voulais le mettre en favori. Parce que... hop là, à la place de l'arc des rossignols. Il fait moins ses dégâts, il est moins bien, mais bon. Pour l'instant, il est mieux. D'accord, c'est toi qui as déclenché le piège en tombant. C'est cool. Toi, je vais te tuer. Oh putain, je l'ai loupé. Eh, on est là. Oh putain. Mais l'autre, il a pas compris en fait que. Eh hey, mais mes flèches elles touchent rien quoi. Ah bon. Pas évident de placer au. Oh.
Voilà, merci pour l'âme. Hop, on traverse en courant. Voilà. Et parce que c'est bien mignon ces trucs, mais ça fait du bordel. Hein. Bon. J'en suis ouf. Du coup, je m'en fiche. Petite sauvegarde rapide. Hein. Je peux pas récupérer de la mousse. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, j'étais là-bas tout à l'heure. Bon, alors je m'en rappelle, ça y est. Allez, viens ici. Viens ici, Yann, que. Il vous faut quelque chose? D'accord. Non, mais ce serait bien quand tu dis d'accord que. D'accord. Je regrette, c'est impossible. D'accord. Autre chose? Je suis derrière vous. Attends ici. Sans moi. Voilà. Alors voilà, je la laisse ici parce que je sais que j'ai tombé contre un adversaire qui se téléporte. Et il se téléporte sur les trois pylônes. En plus, il se dédouble. Donc si elle, elle est là, elle pourra frapper celui qui est juste à côté d'elle. Et ainsi, il est empêché de. Je n'aurai plus que deux moi à m'occuper de. Voilà. J'ai fait une sauvegarde parce que j'ai pas envie de la flinguer. En plus, c'est un super arc ce con. Voilà, il s'est déjà téléporté à un endroit. Moi, ce que je veux faire, c'est. Attends, petit. Hop, j'ai ce qu'il faut pour toi là. C'est Blizzard. Voilà. Là au moins. Elle est où mon acolyte? Ah ouais d'accord. T'étais là. D'accord. Ah le con. Allez, allez, vite! Relève-toi. Ouais, c'est le plus ennuyeux avec eux, c'est ça. C'est quand ils vous balancent leur truc là. Oh non! Eh merde! J'ai pas le temps de lancer mon parchemin. Bon, ben, je vais devoir y aller avec mes flèches normales et puis tant pis. Hein. Ça va prendre plus de temps que je le voulais. Oh, oh, vous arrêtez maintenant. Hein. Ils vont peut-être pas apprécier là. Alors, on n'y voit pas grand-chose. Oh le con, il s'est téléporté juste au moment. Allez, réapparaît. C'est pas celui-là. Oh putain, j'ai essayé de me blesser en même temps, mais j'ai pas pu. De toute façon, là, je suis derrière le sarcophage, ils peuvent pas me toucher avec leurs flèches. Hop. PD. Allez, réapparaissez.
Eh, il est mort ou quoi? Oh putain, j'ai tué le bon. Ah ben, je l'ai tué. Ah mais c'était le bon en fait. D'accord. J'ai chopé le bon. Eh ben t'as pas fait long feu comme ça moi. Arc noir de Goldur. 15 points de magie. Formule d'emprisonnement. Le deuxième fragment et l'or. Voilà. Deux fragments. J'ai de l'or. Mon acolyte, faut que je pense à lui dire de me suivre. J'ai dit d'attendre sur le pylône, mais finalement elle était venue avec moi, hein, Nous donc partons? ça n'a Allons-y. servi à rien quoi de la laisser à côté là-bas. De toute façon, on l'a flinguée en trois flèches, trois parchemins, deux parchemins. Non, mais je suis content, j'ai eu facilement. Il n'y a pas un mot de puissance ici? Ah, je pensais. Collier de. Alors, Atronach de feu. Par glace. Tout est très bien, mais. Robe de destruction d'apprenti. Bon, bah, tout je laisse parce que je m'en fiche un peu maintenant. J'ai déjà une perle. Il y en a une autre là. Ouais, je trouvais deux perles là. Gantelet de Homer, je m'en fiche. L'assiette, je m'en fiche. Magie suprême, on s'en fiche. Parole et philosophie, hop, on le prend. Gemme spirituelle, là-bas il y a une petite perle. Le casque, on laisse. Le bouclier abîmé. Le bouclier en peau. Bon. Et on revient. D'accord. Juste avant le trou, donc la sortie. Je sais plus où est elle. Bien. Allez, étape 2, terminée. Donc il me manque plus qu'un fragment pour terminer l'amulette.